One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly? That's a question you should ask yourself, Megatron. Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine, j'espère que vous allez bien, que votre week-end s'est bien passé, alors oui, nous approchons tout doucement des fêtes de Noël, encore 10 jours, et ce sera le réveillon, sachant que déjà euh, les vacances pour la fin de la semaine, ça le fait plutôt bien, j'espère de votre côté que vous avez déjà préparé votre ou vos listes de cadeaux, certains ont déjà dû les commander, d'autres voire même les recevoir, ou en tout cas une partie, enfin c'est le principe. Donc, pour revenir aux choses sérieuses et pour cette nouvelle revue Transformers, je vous emmène aujourd'hui en 1988 avec la découverte du duo Power Master, Dreadwind et Darkwing. Allez, sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole. Les deux machins, comme à leur accoutumée, vous feront de leur côté un petit coucou en fin de vidéo. Allez, c'est parti, les petits amis! Yeah ah, ouais, bientôt Noël, ouais, les cadeaux! Eh, hey, papy! T'as envoyé notre liste au Père Noël, j'espère Euh... Ah non, j'ai complètement oublié. Quoi T'es fou de nous Mais on ne veut jamais avoir nos cadeau Oh non Et nos cadeaux, oh non Ne vous inquiétez pas, de toute façon, le Père Noël vous connaît très bien. Et si vous avez été sage, vous serez normalement gâté. Sinon, rien du tout. Du PQ. Ou alors ce sera le Père Fouettard qui viendra régler votre compte. Oh non, on parle pas de malheur On a été sage, nous, hein, hein euh, pas vraiment Oh, bon, sont pas très gentil. Bon, bah, écoutez, on vous laisse découvrir cette revue, et puis nous, on vous dit à tout à l'heure. Allez, tchuss le mec Ouais, et t'as intérêt à penser à envoyer le courrier, sinon, ça va chier Bon, allez, tout à l'heure, le mec, tchuss Et voici, pour commencer, un petit 360 de, voilà, notre duo, Dreadwing et Darkwing tous deux sortis donc pour la gamme Power Master en 1988. La petite originalité de cette gamme Power Master, c'est qu'il y avait justement deux mini robots qui pouvaient se transformer donc en moteurs que vous pouviez placer donc à l'arrière de chacun des véhicules de façon à augmenter et décupler donc leurs possibilités, notamment pour ces deux-là donc la capacité de fusionner entre eux en mode avion pour créer donc un jet. Euh, bien plus massif et surtout plus redoutable, chose que voilà qui était quand même sympa à l'époque. À savoir également que euh, cette série donc est sortie au Japon donc euh, un an après la diffusion aux États-Unis donc est sortie au Japon alors une exclusivité japonaise bien entendu donc sous le nom de Super God Master Force voilà une série donc sortie en 88 également et dans ce dessin animé, il faut bien savoir donc que les Autobots ne sont pas des robots pourvus d'une âme, d'une conscience comme pour la tradition Hasbro, mais sont des mécas donc pilotés par des humains. Voilà, qui, qui, qui grâce à une, une montre euh, peuvent, euh, peuvent prendre l'apparence d'un personnage donc revêtu d'une petite armure qui prend possession du véhicule donc pour combattre euh, les méchants donc euh, des donc venus d'une autre dimension. voilà. Petite série, donc euh, toujours dans la tradition euh, japonaise, avec ce, ce, cette grosse influence, donc euh, Super Sentai, Tokusatsu, donc dans la série japonaise, donc euh, il s'appelle Buster et Hydra, voilà, les deux frères, euh, le, enfin les frères et sœurs. Voilà, donc pour ce petit 360, et attardons-nous tout de suite, donc sur le premier du duo, donc Dreadwing. Dreadwing, voilà. Très, belle, très bel avion, euh, si ce n'est que comparé donc aux premières séries Hasbro euh, Takara, donc Starscream et autres, euh, celui-ci est full plastique, fini euh, la bonne époque euh, du métal. Voilà donc le petit père Dreadwing inspiré donc du, du chasseur General Dynamique F16. Euh, le Falcon, donc voilà un petit peu pour ce véhicule. Alors bon, il a accusé le coup un petit peu. Hein, il n'est pas tout jeune, donc voilà. On a un petit peu de chrome parti par ci partie, et là. Euh, les stickers euh, également, donc un petit peu abîmés, mais ça va. Dans l'ensemble, il est très propre. Ne lui manque bien entendu donc que son Power Master, donc qui vient se placer juste ici, et surtout donc ses deux armes. Voilà un petit peu donc on retrouve un, un jet quand même très très bien réalisé même si euh, on a les bras voilà euh, légèrement apparents on devine tout de suite où ces derniers se trouvent avec le petit cockpit en bleu translucide voilà au niveau de l'undercarriage pas grand chose de négatif à dire euh, les trains d'atterrissage sont, sont directement posés positionnés à cet endroit là mais voilà dans l'ensemble et globalement ça reste voilà, plutôt propre voilà un petit peu donc pour Dreadwind et passons à présent donc à mon préféré, Darkwing. Alors pour ceux qui ont suivi mes précédentes revues ou unboxing, euh, je rappelle que celui-ci donc m'a été offert pour mon anniversaire entre autres hein, avec bien d'autres d'autres cadeaux donc par mon ami Alexandre, voilà, qui m'a permis de pouvoir réunir enfin euh, ces deux voilà ces deux véhicules que que, que, que j'adore voilà tout, tout simplement je les adore. Donc merci encore à hein, mon petit père, je te fais des gros bisous. Donc pour Darkwing, donc, qui, comme je le mentionnais, est juste mon préféré, que ce soit en mode euh, jet ou en mode robot. Euh, jet, quant à lui, donc, inspiré du chasseur Panavia Tornado GR1. Voilà un petit peu, donc. Voilà, les finitions sont très soignées. Bon, là encore, euh, les stickers sont, on, voilà, accusent un petit peu le coup. Hein, ils sont plus, ils sont plus tout jeunes. Nous nous retrouvons également donc le cockpit translucide avec euh, voilà les, les, les euh, comment, les, les, les fauteuils euh, qui se trouvent donc à l'intérieur de, de visible, de, de, de moulé. Donc voilà, plutôt, plutôt sympa. Euh, de belles proportions. Hein, C'est pas un petit jouet. Donc voilà. Au niveau de l'undercarriage, là encore, même chose que pour donc son frangin euh, Dreadwing. Le voilà, syndrome des bras visibles. Voilà, c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Hein, néanmoins, quand on le regarde de dessus, ça reste potable. Et puis à savoir hein, que pour de nombreux Transformers se encore aujourd'hui, nous en avons toujours certains donc qui souffrent de voilà de cette particularité d'avoir euh, les bras visibles. Donc voilà, on ne peut pas lui reprocher ça, surtout pour l'époque. Voilà, undercarriage là encore très euh, voilà très propre avec là aussi donc les trains d'atterrissage qui se trouvent donc juste ici. Voilà un petit peu pour ce petit personnage vraiment très très fun. Et petit euh, comparatif et photo de famille, bien évidemment, donc aux côtés de Starscream, voilà, qui lui de son côté donc était euh, partie métal et plastique. Euh, donc je préférais euh, celui-ci donc en termes de, 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 des matériaux utilisés. Par contre, esthétiquement, alors hormis Dreadwind qui est un peu moins, voilà, qui est peut-être un peu moins beau, mais euh, comparé donc à Darkwing par exemple. Pas de part forming, euh, une transformation un petit peu plus complexe. Et puis bon, bah voilà, une évolution également donc des technologies euh, qui, qui ont été donc euh, apportées pour ce duo. Voilà, de toute beauté. Vous pouvez voir qu'en termes de proportions, hein, on a à peu près quelque chose d'identique. Euh, Celui-ci, enfin, les deux sont peut-être un peu plus larges, mais voilà, c'est ça joue vraiment pas à grand chose. Alors. Comme mentionné au début, ce qui fait la petite particularité de ce duo, c'est, voilà, euh, trois transformations, donc, euh, bien entendu, le mode véhicule, le mode, euh, les modes alternatifs, les modes robots, mais aussi, donc, la faculté apportée, donc, grâce au pouvoir des Power Masters, donc, qui leur permet, tous deux, de fusionner entre eux, donc, pour former euh, le big vaisseau, le big jet, euh, donc, nommé Darkwing, oups, autant pour moi, c'est Dreadwing et non pas Dreadwind Dreadwing Contraction donc de Dreadwind et de Darkwing Alors pour la transformation donc Dreadwind de son côté donc fait euh, office donc deux parties avant du vaisseau Alors on va d'abord commencer par lui et je mets Darkwing de côté On passe tout de suite donc à cette partie avant Vous sortez les deux petits ailerons Comme ceci. Voilà. Ensuite, vous prenez cette partie à l'arrière. Vous venez la remonter complètement jusqu'à entendre le clic. Et voilà. On a déjà donc la première base. Pour créer la fusion, je le mets de côté. Et nous allons passer à présent donc à Darkwing. Euh, oui, Darkwing. Alors pour ce dernier, vous allez prendre donc l'avant du jet tirer légèrement donc sur ce petit bras juste ici ensuite le monter ainsi inverser le concept comme ceci vous pouvez à présent séparer l'aileron arrière en deux et venir donc bien caler cette partie-là entre les deux, ensuite vous pouvez rabattre le tout comme ceci. Voilà, vous avez les principaux éléments qui permettent la fusion entre les deux, mais pas que, puisque vous allez voir qu'une petite opération est nécessaire. Tout d'abord, donc vous prenez les deux ailes de Dreadwing et vous les reculez comme ceci. Voilà, de façon à créer donc des connexions supplémentaires qui vont vous permettre de pouvoir réunir et fixer les deux compères entre eux hop on continue en venant cette fois-ci réunir ces deux parties-ci et là encore donc les ailerons vont venir coulisser dans les petites ouvertures qui se trouvent de chaque côté comme ceci et comme cela on log bien le tout. Ensuite, vous remontez voilà cet aileron supplémentaire qui était dissimulé de façon à créer un ensemble uniforme entre les deux. Voilà. Donc, les deux ailerons ne forment plus qu'un. On remonte bien ça, bien entendu. Et dernière étape, vous venez remonter complètement les ailes de Darkwing de façon à former voilà une aile principale donc entre Dreadwing et Darkwing et voilà mesdames et messieurs notre Dreadwing transformé yes et voici donc à présent un petit 360 de nos deux euh, compères donc euh, voilà créant donc la liaison et la fusion entre les deux véhicules, c'est plutôt ingénieux, c'est plutôt cool. Pour l'époque, c'était vraiment sensationnel, c'était quelque chose d'inédit euh, aujourd'hui donc ils ont été repris euh, dernièrement et plus récemment donc pour la gamme euh, Power of the Prime, le seul chose c'est que voilà, je ne les ai pas achetés parce que je je voilà, je les trouvais pas euh, vraiment réussi, euh, fidèle sans être fidèle, enfin bref, euh, ce qui m'a surtout déçu c'est que Hasbro ait réutilisé donc les moules Combiner Wars euh, pour faire donc euh, le, la, comment, les deux Power Masters. J'aurais aimé des moules carrément inédits. Et là peut-être que ça aurait été mieux. Alors j'espère, hein, je désespère pas, mais qu'un jour donc on ait vraiment un hommage euh, bien plus fidèle que donc euh, les deux Power Masters qui étaient sortis il y a quelques années. Hein, regardez donc cette cohérence. Entre les, les, les deux véhicules, les couleurs se marient à merveille. Ne manque plus que leur, leurs deux armes, donc c'est-à-dire leurs leur quatre armes, hein, pour venir donc renforcer le côté massif et agressif de la bête. Sinon, c'est vraiment du tout bon. Et magie de la vidéo, revoici donc nos deux acolytes dans leur forme initiale, donc en mode chasseur, en mode jet, et nous allons pouvoir passer à présent à l'étape de transformation en mode robot comme tout à l'heure, donc nous allons tout de suite commencer par Dreadwind. Alors nous repartons un petit peu sur le principe de transformation euh, du mode, donc fusion euh, euh, Dreadwing, euh, Dreadwind, non Dreadwing, oh là là, je confonds toujours, excusez-moi. <laughs> donc vous prenez, voilà, cette partie arrière, vous venez la remonter, la loquer, comme ceci. Ensuite, vous prenez les ailes, même topo, vous les faites glisser, vers le bas. Une fois que c'est fait, donc vous pouvez à présent voilà, séparer les ailes et les bras comme ceci. Vous effectuez une rotation de ces deux pièces-là qui vont comme vous pouvez le remarquer, voilà, former respectivement les jambes de Dreadwind. Voilà, nous plaçons les pieds et les talons quand c'est fait, vous prenez, je remonte un petit peu la caméra rouge, vous prenez toute cette partie-là, vous venez la baisser, voilà, la placer comme ceci, et ensuite, donc vous pouvez replacer ces parties-là comme ceci, et pour loquer le tout, vous remontez comme ceci, voilà, tout est bien calé et maintenu, et voilà, donc notre Dreadwind transformé. Yes Et petit zoom tout de suite donc sur le QQ la tête. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, hein, Dreadwind en mode bot n'est pas le plus réussi des deux. Euh, son apparence est un peu, voilà, quelque peu sommaire, on va dire, et euh, et surtout donc, euh, voilà, vous allez voir une petite incohérence, le, la chose qui fait que euh, j'aime beaucoup moins ce personnage. Alors déjà, euh, le visage, voilà, c'est pas top, euh, les yeux pas un peu à l'arrache, le battle mask, enfin voilà, c'est pas, voilà, c'est pas sensationnel, et surtout, nous avons la tête qui est carrément décalée en arrière par rapport donc au torse. Euh, le truc fun, ça aurait été d'avoir la tête qui soit à peu près à ce niveau-là. Malheureusement, elle est complètement, voilà, décalée en arrière. Vous voyez ce que ça donne de côté? C'est, bah, c'est pas, <laughs> c'est pas soyeux. On croirait qu'il s'est pris un méga pain et que sa tête, son cou, euh, voilà, a craqué vers l'arrière. Mais sinon, donc, globalement, pour l'époque, euh, la figurine est quand même, voilà, relativement propre et soignée. Avec quelques articulations que les G1 n'avaient pas forcément, donc notamment voilà le bras que vous pouviez lever et baisser, donc le tout sur ratchet, le coude avec une articulation à un peu plus de 90 degrés, et pour les jambes donc de par la transformation vous pouvez lui faire faire l'écart JCVD et puis c'est à peu près tout. Euh, vous ne pourrez pas plier les jambes, les genoux vers l'arrière par sécurité puisque voilà c'est conçu pour le mode combinaison. Vous pouvez légèrement l'amener vers l'avant. Voilà, pourquoi pas hein, après tout. Et puis donc vous avez le talon et le pied que vous pouvez lever et baisser. Et voilà, c'est vraiment tout pour les articulations de notre Dreadwind. Et nous pouvons nous atteler à présent donc à la transformation de Darkwing, qui pour le coup donc est un peu mieux. Alors, comme tout à l'heure, vous allez prendre l'aileron arrière que vous allez séparer en deux comme ceci. Vous tirez sur cette partie-là pour la déloquer. Voilà, vous la rabattez. Comme ceci, vous remontez les ailerons. Voilà, pour bien englober cette surface-là. À présent, vous pouvez passer à cette configuration-là. Donc, bien entendu, pas de surprise, vous aurez deviné où se trouvent les bras, mais tout d'abord, donc vous allez prendre les ailes les rabattre comme ceci à l'arrière vous en faites autant pour les bras ensuite vous pivotez cette partie là malheureusement il y a un gimmick qui ne fonctionne plus sur le mien c'est que logiquement quand vous tournez cette partie là vous avez la tête qui est censée sortir toute seule là malheureusement quel que soit le sens où je vais le faire, le cucu, la tête-tête reste malheureusement coincé à l'intérieur. Donc, pour ça, je prendrai donc cet outil-là. On continue. À présent, vous séparez ces pièces-là comme ceci. Vous venez rabattre ainsi ce qui va former les jambes. Ensuite, vous loquez grâce à la petite mâchoire qui se trouve sur les côtés à l'intérieur des genoux et dernière chose vous sortez les talons et les pieds comme ceci comme ceci voilà on rabat les bras ainsi et là encore donc du coup je vais être obligé de me munir de ma bruxelle et de venir sortir le cucu la tête tête et voilà, mesdames et messieurs, notre Darkwing transformé. Yes Là encore, petit zoom sur le visage qui contrairement donc à Dreadwing est vraiment vraiment mieux fichu. Euh, nous avons notamment donc la visière ici translucide en bleu translucide. Ça c'est quand même plus joli que les yeux peints à l'arrache en rouge. Le bas du visage est également peint. Donc le visage est quand même propre et soigné. Ça, ça fait bien son taf. Au niveau finition et esthétique générale, contrairement là encore à son acolyte, celui-ci est bien mieux proportionné. Alors on a peut-être un backpack un peu, un peu euh, voilà un peu proéminent. Mais vous voyez, en termes de stabilité, voilà, le backpack ne, 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 de par son poids, ne ramène pas donc le personnage vers l'arrière, ne le fait pas tomber. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Voilà un petit peu hein, les finitions. Voilà, et esthétiquement, il n'y a pas, il n'y a pas à tergiverser. Hein. Il est quand même bien plus, bien plus sympa. Alors, en termes d'articulation, bah, on va retrouver la même chose donc, que pour euh, Dreadwind. C'est-à-dire, donc, le bras que vous pouvez, voilà, pivoter de haut en bas. Une articulation du coude, là encore, à 90 degrés. Hop, on remet ça. Vous avez, de par la transformation, la possibilité de lui donner la position JCVD, voilà, ça reste correct. Alors j'aurais aimé, par contre, ça c'est ce qui manque et c'est ce que euh, voilà, c'est ce qui aurait été. On a un petit ergot juste ici donc qui permet de coincer, mais j'aurais bien aimé avoir un autre ergot ici pour vraiment coincer le haut de l'épaule correctement parce que les bras ont tendance donc surtout avec l'âge. Voilà, à partir un petit peu sur les côtés. Et puis en termes d'articulation, bah c'est tout, hein, puisque les genoux, de par la transformation, euh, sont fixes. Alors vous pouvez également vous amuser, si vous le souhaitez, à lever et baisser les talons ou l'avant des pieds. Mais bon, ça ne vous apportera malheureusement pas grand chose en termes de position dynamique. Mais bon, je le rappelle, hein, on est en 87-88. Et pour l'époque, c'était quand même du superbe taf. Voilà. Euh, le métal en moins malheureusement, mais euh, la conception, l'architecture et l'ingénierie euh, qui apportaient donc quand même un renouveau à la gamme. Donc voilà pour notre Darkwing. Yes. Petite photo de famille à présent donc de nos deux complices réunis. Et là comme je vous le disais, hein, et il n'y a pas photo, euh, Darkwing est sans conteste la figurine la plus réussie des deux, hein, surtout si on reprend la tronche déplacée de Dreadwind, mais voilà, sinon c'est vraiment sympa, euh, le plus étant bien entendu ce côté Power Master hein, qui permettait donc de pouvoir combiner les deux véhicules pour former un gros vaisseau, pas de transformation euh, de, de fusion en mode robot entre les deux euh, c'est dommage mais bon voilà, c'est pas non plus dramatique et puis dans la série animée on était habitué à ça, donc voilà, ça pose pas de problème ne leur manque bien entendu que les deux Power Masters et surtout donc leur gun et ce sera parfait et dans le meilleur des mondes en tout cas deux personnages que je suis vraiment fier de compter dans ma collection et pour conclure cette vidéo petit comparatif d'échelle donc aux côtés de notre Starscream dans son mode bot et là on se rend compte tout de suite que autant en mode alternatif la taille euh, l'échelle l'envergure entre les trois était quasi similaires à quelques cheveux près et là, pour le coup, donc en mode robot, notre, nos deux compères, donc Dreadwind et Darkwing, sont, voilà, en termes de taille et de carrure, bien plus imposants que le petit père Starscream. Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève notre revue du jour consacrée consacré, au duo Power Master Dreadwing, Darkwing et de leur fusion de façon à former le mode Dread. Wing, j'insiste bien, Wing, voilà, j'espère que cette revue vous a plu, vous a permis pour les uns de découvrir ces deux robots, et pour les autres bien entendu de les redécouvrir, euh, que dire de plus, bah, n'hésitez pas comme toujours à laisser vos impressions, vos commentaires, vos suggestions, etc, etc, euh, ce sera un plaisir de vous répondre et de tailler un petit peu la discute avec vous, comme toujours, voilà, passez des des bons petits moments donc off caméra entre nous et puis que vous souhaitez bah tout simplement de donc, une bonne semaine tout d'abord on se retrouve bien entendu fin de semaine pour une nouvelle revue alors je ne sais pas encore si ce sera du Transformers du GoBots euh, du Tokusatsu ou du Mask. Donc voilà, si vous avez une suggestion à me faire, n'hésitez pas, je serai à l'écoute et je verrai un petit peu ce que je peux faire. Euh, donc en attendant, et quoi qu'il en soit, donc je vous souhaite de passer une bonne semaine. Bienvenue, ah oui, bienvenue comme toujours aux nouveaux membres, aux nouveaux euh, abonnés revenus rejoindre notre famille euh, et notre communauté de collectionneurs et de fans de Transformers, de robots et de jouets transformables des années 70 à nos jours plein de gros bisous à vous, merci pour votre confiance. Nous frôlons là vraiment les 1390 abonnés, suspense suspense. Voilà, peut-être peut-être 1400 pour la période de fin d'année, ce serait vraiment un super cadeau. Comme toujours, de gros bisous aux plus anciens et fidèles, toujours là, fidèles au poste. Et donc qui assure, euh, qui assure pour pas changer, hein, vous êtes vraiment extra, je ne le répéterai jamais assez. Voilà, je vous embrasse bien fort. À nouveau, je vous souhaite une bonne semaine, plein de courage. La route, euh, voilà, le, le chemin arrive. Euh, fin de semaine, ce sera les vacances. Donc voilà, cette semaine, passez-la comme vous voulez. Mais quoi qu'il en soit, avec amour, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis. Bye bye, tchuss euh, N'importe quoi, nous aussi on peut fusionner, qu'est-ce que vous croyez Ouais, c'est vrai ça d'abord, allez, on leur montre mini-mini-moi Ouais, c'est parti, allez, fusion yeah Et voilà, avouez, ça vous en bouge en coin hein Ah ouais, hein, vous êtes épaté, ouais, vous en venez pas <laughs> Excusez-moi, mais <laughs> je trouve ça plutôt ridicule! quest Bon, on oh, s'est peut-être trompé! Bon, bah, on va recommencer alors! Bon, cette fois-ci, on se trompe pas! Ouais! Allez, c'est parti! Fusion! Oh, bah, on meurt dans l'or! Ah ouais, euh, je m'attendais pas à ça! Oh merde, c'est le retour de la tête de ce boob! <laughs> Changez rien! C'est parfait! Ouais, non, c'est même pas drôle, ouais. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.